Mouillé-tu? M'entends-tu? Natacha Porot est sourde, mais elle s'exprime très bien, tant par la parole que par le langage des signes, sa spécialité, en tant qu'éducatrice de la maison de la petite enfance de Vitry-le-François. Elle passe 3 fois par semaine dans chacun des services de la crèche pour animer des ateliers de comptines ou d'histoires signées. Il nous mangerait. On va faire le signe sur le mot à chaque fois qu'on le prononce. Par exemple, ça va être « tu veux de l'eau »,« tu as encore faim »,« s'il te plaît »,« est-ce que tu veux un gâteau »,« est-ce que tu as peur ?» Et du coup, l'enfant, par imitation, après reproduit les signes de la même façon qu'à force de voir sa maman dire au revoir ou lui dire « oh, bravo, c'est bien », il imite, c'est exactement la même chose. Séduit par la méthode, le personnel de la crèche a été formé lui aussi pour accompagner les enfants dans cette nouvelle façon de communiquer. On communique avec eux par le regard, par des gestes naturellement, mais là, en mettant le langage des signes, il y a un retour encore plus important avec l'enfant. On peut échanger des émotions et c'est vraiment du bonheur de pouvoir échanger comme ça avec l'enfant. Les parents peuvent également être formés par Natacha. Elle conseille de commencer aux 6 mois de l'enfant, les premiers signes arrivant ensuite vers 9 mois. Il tire sur la carotte et la carotte, elle veut pas sortir. L'idée, c'était de pouvoir leur apporter des signes en plus qu'on a tirés de la langue des signes pour qu'ils puissent exprimer aussi leurs émotions, leurs frustrations, leurs envies. Donc comme ça, ils sont capables de dire qu'ils veulent aller faire pipi, qu'il faut changer leur couche, qu'ils ont peur. C'est un signe qui revient souvent, qu'ils en veulent encore. Encore, c'est un des premiers signes qu'ils font, le gâteau aussi. Et du coup, ça leur apporte un moyen d'expression. Du coup, ils sont moins frustrés. Les ateliers PB Signeur existent aux États-Unis et au Canada depuis les années 80. Ils ont été importés en France à partir de 2005 grâce à une comédienne sourde française, Monica Companies, très engagée et qui a formé Natacha et plus de 120 autres personnes au sein de l'association Bébé Fais-moi signe. Une petite révolution, car la langue des signes a été interdite en France pendant un siècle jusqu'en 1977 au profit de l'oralisation, mais elle a largement fait ses preuves depuis. Sors ta tête, il ne pleut plus. Le bénéfice, je l'ai vraiment vu avec mon fils. Moi, j'ai signé avec mon fils quand il était tout petit. Il a bientôt 15 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai vu que ça ne retardait pas le langage, notamment. Ça en fait au contraire des enfants plutôt bavards et très à l'aise dans la communication. À Vitry, 120 enfants de la structure bénéficient de cet apprentissage riche et nouveau. La grenouille à grande bouche s'en va voir l'oiseau bleu.